Salut. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre manière d'écrire Access List. Vous savez, dans Cisco, il y a deux manières d'écrire Access List. Il y a une manière, si tu choisis, quand tu vas vouloir effacer une seule liste, automatiquement, même si tu as 100 listes, tout s'est disparu, tout s'est supprimé. Donc, Cisco a trouvé que cette manière n'est pas logique, cette manière n'est pas bonne. Donc, il nous a montré autre manière. Là, tu as le choix de supprimer les listes que toi-même tu veux les supprimer et puis laisser les listes que tu veux les laisser. Donc, venez avec moi, nous allons voir tous les deux méthodes ensemble. Je viens dans mon routeur. Première méthode, c'était ici, on mettait dans mode C, on écrivait access list. Choisissez un numéro de standard ou bien standard et après ça on mettait nail ICMP puis any. Il faut ajouter une deuxième liste. Permit TCP host. Host source IP. La porte de HTTP. Donc actuellement, j'ai des listes de contrôle là. Je vais voir d'où show running. Donc vous voyez, actuellement j'ai écrit des listes d'autorisation. Donc de la manière nous avons créé, quand tu vas vouloir effacer l'un de ceux-là, tous les deux c'est disparu, c'est supprimé automatiquement. Donc pour faire ça, vous voyez, si tu veux effacer, qu'est-ce qu'on met? On met no access list, puis tu mets 100 avec le numéro que tu as créé. Donc do encore. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui reste, tout est parti. Nous allons essayer la deuxième manière qui est la bonne manière d'écrire access list. Donc pour ça, au lieu de commencer avec access list, on choisit IP au début, IP et puis access list. Après cela, on met help. Il y a deux trucs, il y a standard et puis il y a standard. Entre les deux, tu peux choisir un. Donc moi j'ai choisi standard. On met point d'interrogation. Il dit qu'on peut commencer de 100 à 199 ou bien si tu veux, tu peux écrire un nom. Moi je préfère écrire un nom pour Rama. On met point d'interrogation encore. Donc c'est fini, il n'y a rien encore. Donc voilà ici. Maintenant je suis rentré dans autre étape. Donc c'est dans étape ça là que je vais créer mes listes de contrôle. Donc ici aussi tu as le choix de choisir entre numéro 1 jusqu'à 2 milliards et quelques, voilà. Ou bien même si tu ne choisis pas, automatiquement ils vont te choisir des numéros quand tu vas écrire tes listes.
Maintenant, c'est bien même de, c'est bien que toi-même tu fais ton choix. Parce que souvent, il y a des rôles, il y a des listes qui sont vraiment importants pour toi. Tu peux le nommer par exemple le numéro 1. Il y a d'autres qui ne sont pas trop importants. Donc tu peux les donner numéro 10, 15 pour aller là-bas. Là, quand tu vas vouloir effacer, donc toi-même tu sais déjà que numéro 1, c'est numéro 1 pour toi. Donc pour ça, moi je vais mettre numéro 7 ici. Et puis je vais bloquer certes ICMP, ICMP, ENI, ENI. Ça c'est fini là-bas. Donc je vais donner permission à quelque chose. Numéro 8. Permit TCP. Bon, ça c'est host IP. Destination IP D. Porte de HTTP. Donc ici aussi actuellement, j'ai deux listes. Pour confirmer que j'ai deux listes, j'ai deux manières de voir ça aussi. Soit je viens automatiquement dans do show running, ça les valait ici. Donc voilà les deux listes, DNICMP, ANY, permit TCP, host jusqu'à la fin. Donc il y a un point ici que je vais expliquer. Quand tu regardes avec show running, les numéros que tu les as donnés, tu ne les vois pas. Donc pour voir ça, il faut mettre, au lieu de do show running, tu mets do show IP access. Donc voilà, j'ai numéro 7 et j'ai numéro 8. Donc quand je vais vouloir supprimer, c'est très très simple. Je mets seulement no numéro 7 et puis c'est terminé pour lui. Je vais voir encore si numéro 7 existe, si c'est pas supprimé pour laisser l'autre. Si c'était l'autre, tous les deux allaient disparaître. Mais de cette manière-là, numéro 8 doit rester. Donc do show IP access. Numéro 8 est resté, voilà. 7 a disparu, 8 est resté. Donc voilà, c'est comme ça. Donc même si tu as 100 listes ici, tu peux les supprimer, tu peux choisir selon les numéros pour les effacer. Alors que l'autre côté, ce n'était pas le cas. Tu supprimes une liste, tes 100 listes sont supprimées. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. À bientôt.